Bonjour tout le monde, bienvenue à Destination Nature. Cette émission sera une émission de pêche à la mouche à l'Achigan. Pour une des premières fois, on va avoir une émission de pêche à la mouche sur la chaîne. Par contre, c'est déjà arrivé qu'on en a eu deux autres. C'était de la mouche à la truite grise, puis on le faisait à la traîne. Là, dans le fond, ça va vraiment être... ça fait deux ans que j'ai commencé à pêcher avec une canne à mouche. Puis j'ai trouvé le temps de me pratiquer un peu à moucher. Puis là, on s'en vient pas pire, fait que je pense que c'est le temps qu'on vous présente une belle petite émission de pêche à la mouche. Puis présentement, je suis sur un petit lac que je pêche depuis environ une vingtaine d'années. Dans le fond, on est sur un terrain de camping aujourd'hui, puis c'est un petit lac semi-privé que c'est le camping. On a beaucoup de petits achigans dans ce lac-là. Ça arrive aussi qu'on attrape de beaux spécimens. Donc, on va espérer être capable d'en attraper plusieurs pour vous montrer de belles images de pêche à la mouche à l'achigan. Donc, sur ce, bon visionnement! Pas très gros par exemple, mais... On en fait un. Hein? C'est sûr qu'il est fun avec la chiga avec une canne à mouche. Écoute, c'est pas un gros poisson, là, je te dirais là, peut-être à tout ce que j'ai vu. Ah oui, vois-tu? J'ai même pas peut-être une demi-ligne. Vous voyez la grosseur du poisson. Puis le combat que ça donne, c'est une belle petite canne à mouche. Ça doit même pas faire une demi-livre, peut-être un quart de livre. C'est quand même fou sur une canne à mouche, c'est ça qui est le fun. L'important, ce qui est fun avec une canne à mouche, c'est qu'on, même si on en attrape des tout petits, on a quand même un bon petit challenge à pêcher avec. C'est vraiment le fun avec la canne à mouche. Donc on va remettre ça à l'eau. Voyez-vous avec ce que je pêche là, c'est une mouche, c'est une, je vais vous la montrer tantôt sec là. Dans le fond, c'est une Wally Bogger montée en muddler. Puis normalement, là, tout ce qui est muddler ou Wally Bogger, même les petits poppers, pour l'achigan, c'est excellent à date. C'est avec ça que j'ai les meilleurs résultats. Surtout tout ce qui est muddler, là, dans le fond, c'est... comme on peut voir la forme de la tête en avant, là. C'est fait avec du poil de chevreuil la plupart du temps. Ça fonctionne super bien. Donc on va essayer d'en attraper un autre. Deux en deux. Deux lancers, deux achigans. Ah, on a le droit à une grande bouche cette fois-ci. Notre belle petite achigan. Qui donne des combats surprenants sur une canne à mouche. Puis je pêche présentement quand même avec une canne numéro 8. Donc si vous avez l'intention de pêcher à l'achigan,
je vous dirais, là, idéalement, là, pas vraiment en bas d'une canne numéro 7. La raison, j'ai une canne numéro 6 aussi. La raison, c'est que vous n'aurez pas assez de puissance pour lancer des mouches là, de cette ampleur-là, dans le fond, là, de cette grandeur-là ici. Là. Plus que la mouche est grosse, plus ça vous prend une soie qui est assez grosse aussi pour être capable de projeter votre mouche. Donc moi, je vous conseillerais une canne numéro 8, si vous voulez, parce que vous pêchez pas mal beaucoup de la petite à Chigan. Je serais prêt à aller jusqu'à numéro 7, mais descendez pas en bas de ça, ça vaut pas la peine. Puis même si vous avez l'intention de faire Achigan brochet, une canne numéro 10, ça sera encore mieux. Avec une canne numéro 10, vous allez être capable de lancer des plus grandes mouches, surtout pour le brochet. Puis aussi des poppers, vous allez être capable de lancer des poppers un peu plus longs. Puis aussi, vous allez être capable d'aller chercher plus de distance avec si vous avez une canne numéro 10. Changer un petit peu de technique. Et un autre petit achigan. Je pense qu'on bat des records là, hein? Ouais. J'ai déjà vu mieux. Bon. Là, dans le fond, ça faisait un bout que ça ne mordait plus avec, avec les grosses mouches. J'ai décidé de prendre un tout petit popper. Souvent, on va attraper aussi crapet soleil, perche chaude avec ça. Puis on peut aussi attraper de belles achigans. Ça m'est déjà arrivé d'en attraper des belles. Puis dans le fond, vu la grosseur de la mouche, j'ai pris ma canne numéro 6 pour pêcher avec celle-là. Oh! Là, on a quelque chose de pas pire. Ah, non, pas de... Mais n'empêche que... j'ai changé de mouche, puis là, vois-tu, ça s'est remis à mordre. Donc, je pense que le poisson, c'est juste qu'il est vraiment pas farouche. Un petit peu plus gros que l'autre. On a de la relève en tout cas. Ça, c'est pas ce qui manque. Oh! Là, par exemple, là, on a une belle. Plus belle que les autres en matin, en tout cas. On va voir ce que ça donne. Une belle attaque. Ah, pas un monstre, mais... Pour moi, ça, c'est la plus grosse. Ah oui! Ça paraît toujours plus gros sur une canne numéro 6. C'est quand c'est assez léger comme, comme canne, surtout fait pour la truite. Finalement, on a vu plus grand que la panse. On va remettre ça à l'eau. Fiche! On a de quoi d'un peu plus gros. Je vais essayer de vous rentrer ça dans le net. Et voilà.
Rien de vraiment massif encore, mais assez pour donner un bon petit combat avec une canne à mouche. On va remettre ça à l'eau. Et voilà, un autre petit achigan, encore sur le petit popper. Mettons qu'aujourd'hui, pour la pêche à la mouche, c'est ce qui a sauvé ma pêche à la mouche. Au début, j'ai commencé avec les plus grosses mouches. J'ai commencé avec ça ici, c'est une modeler jumelée avec une Wally Bogger. Ça a super bien fonctionné. Là, on dirait que tout ce qui était grosse mouche, là, ça avait commencé à descendre pas mal, ça ne mordait plus beaucoup. Donc, c'est là que j'ai décidé de prendre ma canne numéro 6. J'ai pris ma canne numéro 6, puis j'ai mis un petit popper dessus. Là, c'est juste parce que j'ai deux cannes à mouche, là, dans le fond, avec une canne numéro 8 aussi, ça fonctionne super bien. Puis, c'est avec ça que j'ai pu réussir à en attraper une coupe d'autres, sinon ça aurait été assez dull aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, jour 2. Voyez-vous, il y a beaucoup de brouillard ce matin. On a eu un orage la nuit passée. Donc, comme ils disent, le calme après la tempête. On va espérer que ça soit quand même pas si pire ce matin. Puis aussi, comparé au jour 1, la pleine lune est finalement passée. Dans le fond, quand je suis venu la première fois, c'était le lendemain matin d'une pleine lune. Donc on va espérer que les plus gros spécimens soient un peu plus gourmands ce matin pour qu'on réussisse à en attraper une coupe de belles. Donc on continue notre pêche. Encore une fois, pas très gros. Bien piqué par exemple. Ça, on ne l'aurait pas perdu. Et voilà, un petit autre petit achigan. Toujours aussi petit, toujours aussi un beau combat. Au moins ça. Cette fois-ci, j'ai pêché, ça ressemble un petit peu à un popper. Encore là, je ne pourrais pas vous dire le nom de la mouche. C'est fait avec un morceau de foam, puis à l'avant, le foam il est retroussé vers le haut. Donc, ça fait un peu l'effet d'un popper, mais c'est juste que la vague en avant est moins prononcée. Oh, on commence à avoir un peu plus de grosseur là. Ça approche du 3 quarts de livre. On va peut-être réussir à frapper une livre aujourd'hui. Ça va pas être chanceux. Et une autre petite, encore avec la petite mouche noire, avec la tête en forme. Boop.
Ça. On a encore droit à de la petite ce matin, mais un peu moins de la miniature. À date, c'est tout autour de la demi-livre. Voilà. En 3, ça se prend pas pire. Comme je disais, c'est il y a beaucoup de la petite achigan sur ce lac-là. Ça arrive d'en attraper des belles de 1,5 livre, 2 livres, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on va attraper. Ok. On est plus dans le même game là. T'as un crapet soleil. C'est cool, je pensais que c'était un échigan. Écoute. La grandeur de ma main. Ça doit faire à peu près 8 pouces. Un beau gros crapet soleil. Avec mon petit popper en forme qu'on peut appeler. Vraiment gros. Je t'assure, c'est un achigan. Oh! Ça, c'est une belle. Ça, là, ça, c'est une belle. On va essayer de pas manquer. Elle vient de recracher un petit paquet de menées. Ok, là on en a une belle pour vrai. Ça, on peut venir à bout de la ramener. Facile à rentrer tout seul, ça. On doit pas être loin du 2 livres. Bon, finalement! Après presque, dans le fond, pas après presque, après 2 matins de pêche, finalement, une belle achigan. Comme je disais, une fois de temps en temps, on en attrape des belles. Avec une belle grosse bedaine. Elle était pleine de menées. En la ramenant, j'ai vu le nuage de menées t'a recraché. Une belle petite bouche. C'est pas tout à fait 2 livres. 1,75 livres peut-être. Donc, vraiment une belle. On va remettre ça à l'eau. De la petite, mais
Au moins, on en pogne en bonne quantité. Ah ben, Colin! Ma mouche traînait à côté du bateau pendant que je vous montrais le poisson. Puis il y a un chien qui est venu mordre prêt à côté du bateau sur ma mouche juste pour dire que je l'ai manqué. On vous met ça à l'eau. Donc pour terminer, deux matinées de pêche, un bon 40 de chigans environ. Ce matin, on était chanceux, ça l'a mordu beaucoup comparé au premier matin. Puis la mouche qui a fait la différence, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment celle ici. Je sais pas c'est quoi le nom exact, mais c'est un peu style un popper avec le petit devant retroussé fait en faune. Ça fonctionnait super bien aujourd'hui. J'ai essayé une coupe de mouche, puis c'est avec celle-là que j'ai eu le plus de résultats aujourd'hui. Donc, on n'a pas réussi à attraper beaucoup de gros achigans, hein, pas mal juste de la petite. Une belle de 1 livre 3 quarts. Donc, sur une canne à mouche, là, c'est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun aussi de la canne à mouche. J'ai attrapé plein d'achigans de peut-être une demi-livre, même en bas d'une demi-livre, un quart de livre. Mais le fait de les attraper avec une canne à mouche, c'est vraiment plus plaisant qu'avec un spinning. La fête n'est pas pareille. On le sent vraiment après la canne à mouche, il y a quelque chose qui tire. Donc, si jamais vous avez l'intention de débuter la canne à mouche, je vous dirais, allez-y, n'hésitez pas. C'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Tout ce que ça vous prend, c'est une... si vous voulez faire de l'achigan, une canne numéro 8 avec des mouches, là, certaines mouches comme ça, ou imitation d'insectes, des sauterelles, des papillons, des choses comme ça, des petits poppers. C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, pour le restant, je vous dirais, c'est de la pratique. Faut vraiment beaucoup se pratiquer pour être capable de faire de beaux lancers. Puis, si vous voulez débuter là, sans vous casser, sans casser votre petit cochon, là, prenez juste un bon petit kit, là, soit Scientific Angler, ou sinon, il y a Fenwick aussi qui en font des bons, que c'est en... tu peux les avoir en spécial souvent là, pour 120, 140, même celle-là. Ça, c'est pas le même reel par contre, je l'ai changé. Mais même celle-là, là, je l'ai eu en spécial pour 100$. Puis ça vaut vraiment la peine. Là, le seul conseil que j'aurais à vous donner pour de l'entrée de gamme, laissez faire les kits au Canadian Tire. De la marque Martin. J'en ai acheté deux. J'ai acheté une 8 pieds et une 9 pieds. Puis j'ai regretté mon choix. Donc, investissez votre argent un petit peu plus pour débuter. Une bonne canne 9 pieds numéro 8, soit de Scientific Angler ou de Fenwick, le kit de base, c'est parfait pour débuter. Puis, même pour intermédiaire, là, aucun problème avec ça. Donc, si vous avez l'intention de faire de la pêche à la mouche, amusez-vous. Puis, sur ce, merci d'avoir écouté. À la prochaine!